Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans Forza Horizon 5 pour la saison de l'automne. On va faire le défi quotidien Faut-on finish remporter une course de drag? Et pour ce faire, on va utiliser la Lamborghini qu'on a utilisée pour faire le défi hebdomadaire Super Veloce. On n'a pas besoin de la modifier, c'est la Lamborghini Diablo SV de 97 et c'est parti. Donc comme voiture, vous prenez la Lamborghini Diablo SV de 1997 qui coûte 174 000 crédits. Vous ne la modifiez pas, laissez-la comme elle est, c'est très bien. Vous allez ici faire la course de drag, piste de drag de l'aérodromo. Vous avez l'aérodromo en la selva là. Si vous comparez par rapport au Festival Horizon Mexique, il est ici. Vous descendez tout droit et vous arrivez sur la piste de l'aéroport. Il y a trois pistes de drag, vous prenez celle que vous voulez. Moi, je vais le faire sur celle-ci, c'est la plus longue. Vous vous inscrivez. Vous faites solo. Vous prenez la piste de drag normale. Vous prenez bien votre Lamborghini que vous êtes en train de conduire ou une autre voiture si vous voulez, hein. Mais moi, je vais prendre celle-là. On l'a déjà payée, ça fait des économies pour ceux qui n'ont pas beaucoup de sous et de crédits. Maintenant, pour être sûr de gagner, on va mettre le jeu en touriste, difficulté et paramètres, difficulté, vous mettez en touriste ici, et c'est bon. Vous lancez l'épreuve, vous gardez la gâchette enfoncée et vous suivez la ligne et c'est bon. Allez, c'est parti. Et voilà, on est déjà en tête. Faut juste garder la gâchette enfoncée et on va gagner d'une assez longue tête. Vous pouvez aussi prendre l'amélioration drague, hein, mais ici c'est gratuit, ça coûte rien et c'est facile. Regardez l'avance qu'on a, il n'y a pas de souci. Avec cette voiture, c'est très facile. Et voilà. Vous venez de compléter votre défi journalier. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5.